Bonjour Agnès et bonjour Laurie. Bonjour. Voilà Agnès, je te présente Laurie, pardon, qui va travailler pour toi et avec toi pour ta séance. Chanté. Voilà, et donc nous te proposons de nous exposer tes points sur lesquels tu veux travailler en commençant par la santé. On t'écoute. Oui. Alors, j'ai une maladie de sarcoïdose. C'est quoi? C'est une maladie rare qui infecte les poumons. C'est une maladie, c'est inconnu, en fait. C'est. Inconnu. D'accord. Et ça fait quoi au poumon alors? Ben, j'ai du mal à respirer. D'accord. Donc, difficulté respiratoire alors. Ok. Oui. Il y a autre chose? J'ai une allergie aux acariens. Je suis asthmatique. D'accord. J'ai les ongles qui se fendent en vertical. Attends, allergie, j'écris pas vite, hein. Acariens. Oui. Ensuite, tu m'as dit quoi? J'ai les ongles qui se fendent en vertical. Ah, d'accord. Les ongles qui se fendent en vertical. Ouais, se fendent, ok. Tous les ongles, tu veux dire? Oui. D'accord. J'ai très mal, je suis obligée de les couper à ras parce que ça me fait terriblement mal. D'accord, ok. Ensuite. Et des fois, j'ai une sensation de mal-être devant là et ça me fait mal jusque derrière le cou. Donc, le cou et la poitrine alors. Oui. Ok. Et j'ai plus de libido, ça fait, on va dire, une dizaine d'années. Ok. Ensuite. Et la nuit, je suis bouillante, mais bouillante. Il ne peut même pas me toucher tellement je suis bouillante. Je ne sais pas pourquoi. Ok. T'as l'autre point de santé? Je fais des migraines aussi ophtalmologiques. Vous savez, c'est du fil électrique qui passe dans les yeux et ça me donne des migraines. C'est dû au parfum et aux crèmes. Je ne sais pas pourquoi je ne supporte pas les parfums ni les crèmes. Je ne supporte rien de tout ça. D'accord. Et je me fais beaucoup de Donc, santé. hormis les parfums et les crèmes, t'as pas de migraine alors. C'est que quand tu mets des parfums et des crèmes que tu as des migraines. Oui, souvent, ouais. D'accord. Ensuite. Ensuite, je me fais beaucoup de soucis pour mon mari, qui a Pourquoi? tout le temps des migraines et il a du mal à faire pipi la nuit. Et ma petite fille aussi, qui fait des crises d'épilepsie, elle a que 7 Alors, ans. bien sûr, c'est ta séance à toi. Eux, on les invitera simplement. On ne fait pas un travail sur eux, hein, tu sais. Hein. Bon. Donc, ta fille, Ma petite fille ah, petite fille, oui. fait des crises d'épilepsie. D'accord. Bon, pour la santé, tu as l'autre point pour toi ou pas? C'est bon. Alors, après les autres points, c'est quoi? Pourquoi je sais plus mon enfance? Je Ah, n'ai pas aucune mémoire. image de mon enfance. Voilà, la mémoire. Oui, j'ai des pertes de mémoire aussi. Il y a des fois où je me trouve dans un endroit et je ne sais plus où je suis, en fait. D'accord. Ouais, ensuite. Et pourquoi j'avais du psoriasis? J'ai toujours eu du psoriasis depuis enfant. Et c'est parti le jour où ma maman est décédée. Ta mère, d'accord. Ok. Voilà, après, j'ai du mal à m'exprimer souvent. Oui.
Ensuite. Pourquoi tout ce que j'entreprends, tout ce que j'entreprends, ça tombe à l'eau? Pourquoi l'argent me file comme ça entre les doigts? Ok. Quand j'étais, je sais que j'ai un truc où je me souvenais, c'est que je dessinais des portraits de femmes, d'hommes, mais plus les femmes. Et aujourd'hui, j'ai oublié tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc avant, tu dessinais, maintenant, tu n'y arrives plus alors? Oui. D'accord. Voilà, j'essaie. Bon, ben, je ne sais pas s'il faut le dire, ça. J'essaie de me faire un emprunt, mais j'arrive pas. J'aimerais partir d'ici, j'aimerais avoir quelque chose. Tu n'arrives pas à quoi? J'essaie de faire un emprunt. Un emprunt? Faire un emprunt. Ah oui, oui. Les emprunts aujourd'hui. Ouais. Ok. Est-ce que c'est bon au niveau des questions? Oui. Ok. Alors, au niveau des invités, qui veux-tu inviter alors? Ben, mon mari. Ton mari et sa famille. Fils, ma petite fille, voilà, sa femme. Donc, ton fils et sa famille. Oui. Après qui d'autre? Mes frères et mes sœurs. Frères et sœurs et leur famille, ok. Oui. Une en particulier avec son mari. Ok. Ensuite, on dit famille générale? Oui, voilà. Okay. Tu as des amis de cœur ou relations? Oui, des amis de cœur, oui. Amis de cœur, ok. Il y en a d'autres que tu veux inviter ou c'est bon là? C'est bon. Il y a des animaux dans la famille? Non, juste ma petite fille, elle a un petit chien, mais il ne vit pas vers nous. D'accord. Ouais, mais c'est j'ai dans un la lapin. Famille. On va dire les animaux de la famille, hein? Allez, on y va. Un lapin. Ok, dont le lapin, ok. Alors, les deux désincarnés, tu choisis qui? Ma maman et ma nièce. Ta nièce, alors c'est... Ma nièce. Comment? Ma nièce, je dois dire son prénom? Non, c'est la fille d'une de tes sœurs, c'est ça? De mes sœurs. Une de mes sœurs. Ok. Bien, bah, écoute, laisse couper le son, puis on part pour ton aventure. Hein? Oui, merci. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 43 000, tu te sens hors d'atteinte, en sécurité? Oui, bien. Ok, alors connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui, c'est bon. Et je te laisse te connecter sur Agnès, dis-moi comment tu l'aperçois? Alors, Agnès, pour le moment, elle se présente comme... je l'aperçois comme deux énergies, comme deux centres énergétiques, de deux types de vibrations différentes. Tu veux dire qu'elle est divisée en deux? Bah, je vois pas de contour vraiment. Et pour le moment, je vois juste comme s'il y avait une espèce de sphère énergétique en haut et une sphère énergétique en bas. Je sais que ce sont deux vibrations différentes, mais je n'ai pas de détails pour le moment. D'accord. Alors, regarde, qu'est-ce que tu vois d'autre? Ok. Elle se cache derrière. Il y a comme deux écrans devant elle et maintenant je peux l'apercevoir derrière.
Je ne sais pas si c'est si voulu que ça, mais c'est censé, je pense, être une protection. Entre une protection et un bouclier. Et même maintenant que je le sais, elle est encore, je la vois que partiellement derrière. D'accord, alors tu vas te positionner pour l'avoir complètement. Oui. Voilà. Alors, elle est gênée, elle dit que elle voudrait ne pas se montrer dans cet état-là. Elle ne se reconnaît pas et que elle se montre avec des hanches comme si elle était enflée, comme s'il y avait une disproportion et que ça l'handicapait. Et elle montre de la gêne. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Pour moi, cette façon d'être gonflée n'est pas normale. C'est comme si elle avait été piquée par quelque chose et qu'elle fait une réaction allergique comme un œdème. Mais c'est tout ce qui est... Alors, attends, j'essaie de regarder parce que mais ça fait... En haut, ça fait un tout petit buste très très étroit. Et puis après, ça fait comme quelqu'un qui fait dans un dessin animé un œdème de Quink, tu vois, de Quink. Et tu vois, c'est complètement disproportionné. Ok. D'accord. Elle a été piquée par quoi alors? Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a mise dans cet état? Je vais compter à trois, tu vas directement à l'événement. 1, 2, 3. Il y a un insectoïde. Mais c'est comme si cet insectoïde, c'est une espèce de... Je ne vois pas vraiment de guêpe, mais je vois un énorme dard, plutôt comme un énorme pic qu'elle prend en tout cas pour un dard géant de guêpe qui l'approche. Oui. Et rien qu'à l'approcher, en fait, elle réagit déjà. D'accord, mais cette guêpe l'a piqué ou pas? Bah, écoute, je peux pas dire que je vois de piqûres réellement. Je vois qu'à chaque fois, ça s'approche beaucoup d'elle. Et quand ça s'approche beaucoup d'elle, ça la met en panique et elle gonfle. Oui, pour moi, c'est une protection. Et c'est aussi pour ça qu'elle se cache derrière ces deux espèces de boucliers, là. Mais on peut passer par l'arrière, donc... D'accord. Ça ne sert pas à grand-chose. Et que fait cet insectoïde avec elle alors? Donc là, tu vois que c'est une guêpe, clairement? Enfin, un type de guêpe? Non, pour moi, c'est comme une mascarade. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui joue avec elle et qui fait vibrer de la peur, en fait, comme si sa partie éthérique me montrait qu'elle était phobique de tout ce qui pique, de tout ce qui peut faire des réactions allergiques. Mais pour moi, ce que je perçois, c'est que c'est un décor, cette espèce d'énorme dard avec... D'accord. Alors, regarde qui joue avec elle. Je compte à trois et tu vas aller voir tout de suite. 1, 2, 3. Il y a trois entités derrière ce décor pour lui faire peur. Et c'est des entités démoniaques. Ah, d'accord. Il joue avec ses peurs. Et ça arrive énormément de la voir apeurée et perdre tous ses moyens comme ça. D'accord. C'est quoi leurs objectifs? Leur objectif, c'est la maintenir... dans des vibrations de peur et d'irréalité. C'est-à-dire que
Depuis tout à l'heure, je te disais, ah oui, c'est disproportionné, un peu comme dans un dessin animé. En fait, ça fait ça. Ça la maintient dans un espace comme si elle avait l'impression d'être dans un cauchemar ou un film cauchemardesque ou quelque chose comme ça. Ça donne des sensations d'un espace complètement irréel, avec des rires derrière, avec... D'accord. Et même, je pense qu'elle ne voit pas bien, ou donc les images sont déformées aussi. Okay. C'est la partie subliminale qui est dans cet état ? Oui. D'accord. Elle se situe où, là ? C'est un espace qui a été aménagé pour elle. Un espace de maintien. Elle est prisonnière ? Oui, elle est prisonnière. Elle est maintenue dans cet espace qui crée des illusions. D'accord, ok. Bien. Si tu scannes les corps donc, de Agnès qui est devant nous, qu'est-ce que tu vois ? Alors, attends, parce que c'est très déformé. Ce que je perçois, c'est donc en premier lieu, comme si pour l'instant je pouvais la voir que de face. Enfin, j'ai pas encore les informations de son corps, de ce qu'il y aurait à l'intérieur. Je revois pour l'instant le fait que sa tête et son buste sont très très petits par rapport à tout le reste qui forme comme ça. Ça fait très dessin animé de Alice au pays des merveilles. Et là, elle est déformée. Ok. Presque dans un burlesque, enfin, étrange, comme ça, cauchemardesque. Ok. Donc là, c'est eux qui défendent ses perceptions, en fait. Elle se perçoit comme ça, c'est ça, en gros ? Je pense qu'elle se perçoit et que... oui, je ne sais pas encore si son corps éthérique est réellement... je vais essayer de m'approcher, d'avoir plus d'informations maintenant. Alors, ce que j'ai, c'est que il y a bien quelque chose de posé au niveau de la poitrine. Ça fait comme un anneau qui vient enserrer les poumons. Et ça fait une impression d'étroitesse, de très grande étroitesse, donc de la cage thoracique. Mais la tête est plus petite aussi. J'ai l'impression que c'est cet anneau qui fait cette impression-là. Et elle a comme un sac en dessous de l'anneau, comme si l'anneau, finalement, c'était comme une ceinture. Et que ça maintenait un sac qui vibre autour d'elle et qui fait comme si elle était énorme. C'est-à-dire qu'à chaque mouvement, elle a l'impression de ne pas pouvoir bouger. Elle a l'impression que son espace est réduit. Elle a l'impression d'être plus petite que ce qu'elle devrait être, tout en étant à la fois trop large et dans un espace trop réduit. D'accord. Qu'est-ce que ça cause comme problème, cet anneau-là ? Autour de la poitrine et ce sac dessous. Ça réduit sa capacité respiratoire. Et ce sac dessous, ça l'handicape complètement. Elle peut pas bouger. C'est comme si elle était obèse alors qu'elle l'est pas du tout. Mais ça donne cette impression. Elle a cette impression. Tu sais, ça me monte, ça me dit, ça me... Si je veux transférer l'information, c'est comme ces gens qui, pour s'amuser, mettent un faux déguisement de sumo, tu sais ? Ah oui, oui. Tu vois ? Eh bien, c'est la même chose qu'elle a, mais à partir du bas de la cage thoracique et jusqu'au pied, elle a ça. Et au-dessus, par contre, c'est tout petit, tout étriqué, tout petit, tout petit. Ce serait par exemple l'inverse du bras long, tu vois, elle a le bras tout petit, elle a peu de capacité de respiration, elle a même sa tête devient toute petite. Donc étriqué en haut, exagérément gros en bas, c'est ça ? Ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors, si tu la scannes encore ?
Je vois des sensations comme des sensations disproportionnées et aussi des perceptions, comme je te disais, des perceptions. Je sais pas si elle a des lunettes ou quoi, attends. Ouais, elle a des lunettes qui déforment tout ce qu'elle regarde autour. Ce qui fait que, ils peuvent jouer avec des décors et lui faire vite très très peur, si tu veux. D'accord. C'est pour ça qu'elle prenait ce truc-là, par exemple, ce décor-là qu'ils agitent, pour un dard de guêpe. Ils lui font croire que c'est un art, d'accord. Okay. Et Voilà. les frites avec ça. Qui est-ce qui a posé cet anneau sur la poitrine? Qui sont les auteurs de l'anneau du sac? Ça résonne avec un reptilien, mais façon serpent. Et je pense que le serpent, il est même à l'origine du. Oui, enfin bon, il est à l'origine de l'anneau. Oui, d'accord. Ok. C'est un serpent rampant ou Oui, un rampant et son but, c'est vraiment l'étouffer. Ah, et dans quel but il veut l'étouffer? La rendre impuissante, la rendre folle. Et il dit des mots, il dit des insultes aussi. D'accord. Okay. Pourquoi est-ce qu'il veut la rendre folle et impuissante? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il l'insulte également? Il est capable de. Il veut s'immiscer dans ses pensées. Je vois que il veut contrôler quelque chose là au niveau de son chakra couronne. Il veut contrôler quoi? Il veut obtenir d'elle sa volonté complète. La Ah. soumettre. Ok. Et pourquoi faire alors? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Lui, ça le nourrit, ça le rend fort. C'est seulement pour se nourrir ou il y a d'autres objectifs? Il veut montrer sa puissance. Explorer ses propres capacités à jouer avec les humains. D'accord. C'est ça son but alors? Montrer sa Ouais, puissance. il y a vraiment quelque chose comme. Franchement, ça fait presque penser à une trépanation, quoi. Ça me montre que il veut vraiment découper le haut du crâne. Il veut rentrer dedans. Il veut pas faire que l'enserrer et l'étouffer. D'accord, Il veut s'installer dedans. prendre possession de son esprit, c'est ça, ou de son corps? Ouais, il veut s'installer dedans. Oui. Ok. Est-ce que tu vois qu'il a posé d'autres dispositifs? Eh bien, oui, pour moi, il a commencé à déposer quelque chose autour du crâne, là. Il a posé quoi? Il a fait. Et ça lui fait très peur aussi du poil. Il a fait comme des repères là tout autour. Il parle de trépaner, hein, de Pour la trépanation, c'est ça. découpe, tu veux dire? Pour la découpe? Ouais. D'accord. En tout Et cas, c'est le discours. il lui fait pour lui faire peur ou il a une intention de la Non, découpe? il a vraiment en tout cas déposé quelque chose comme un fil de fer tout autour, en fait. Voilà, c'est ça que je perçois. Parce que je perçois vraiment ce truc-là. Je pourrais presque le dessiner sur un crâne. Il lui cause quel problème le fil de fer? Ça fait des migraines et ça trouble beaucoup de ses capacités cognitives. Et Ok. c'est ça aussi qui aide à accepter les lunettes, elle perçoit même pas qu'elle a des lunettes déformantes du coup.
D'accord. Troubles cognitifs et oculaires alors. Ouais. Oculaires et puis les donc la vision. Oui, la vision, les lunettes, elles déforment tout. Bon, ok. Est-ce que tu vois d'autres choses encore qu'il a installées? Tu scannes. Même si tout disparaîtra, hein, de toute manière. Ben là, je regarde, je voyais plus ce qui se passait en dessous de l'anneau, et ça Ouais. fait comme une espèce de, ouais, de sac, comme s'il y avait de l'air qui était pulsé dedans. Ça fait un énorme truc. Mais en fait, c'est surtout que ben, avec ça, elle ne peut pas bouger. Donc, c'est un peu comme quand on kidnappe quelqu'un et qu'on le met dans un sac. En fait, cette partie éthérique-là, elle est là-dedans D'accord. Et et en même temps, finalement. Quelque part, elle a l'impression que ça la protège quand même, tu vois, d'être piquée. d'accord. Ok. Tu vois d'autres choses ou pas? Non, pour l'instant, j'ai pas d'autre chose. Ça fait une espèce de résonance grotesque, cauchemardesque. Voilà, c'est ça. Donc, à part ce reptilien serpent et ces démoniaques qui se jouent d'elle, est-ce que tu vois d'autres entités en lien avec elle? Quand tu dis ça, j'ai l'impression que oui, il y a un parasite, quelque chose qui est collé sur sa tempe. Oui, à quoi il ressemble? Il ressemble à à un cloporte. Un cloporte qui serait collé là, un gros cloporte. D'accord, et qu'est-ce qui lui fait comme problème? Il vient sucer certains éléments vitaux et apparemment il aide au maintien de de l'élément fer là. Il a été installé en même temps en tout cas. Toujours par le serpent. Oui. D'accord. Ok. Tu vois autre chose? Est-ce qu'elle a un système GPS quelque part sur elle? Ça me remontre l'élément en fer autour de sa tête. D'accord, Et ça lui, sert. le clochard, je vois qu'il suce, il fait. Et en fait, il récupère des éléments, ouais, d'elle. D'accord. Ok. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'il est avec elle, ce serpent-là? Je compte à trois, tu vas la toute première fois. Un, deux, trois. Je vois un homme qui Attends, on est à combien de vies en arrière, là? le temps, tu m'as demandé le temps d'abord. Alors, attends. Ouais, la Bah, là, première en tout fois. cas, pour l'instant, j'ai la scène. Du coup, je sais pas, tu veux la scène ou tu veux, parce que j'ai Bah, l'information de la scène, mais je n'ai pas encore le temps, le alors, nombre de. d'abord le temps, combien de vies en arrière là? J'ai 13 vies en arrière. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vois, à chaque fois ça me ramène, je vois un homme et je le vois du dessus de la tête, je ne sais pas pourquoi. Et il a les bras un peu comme en croix. Et ok, c'est une torture. Et il est ficelé à comme un cadre, un peu comme une croix christique, mais je ne sais pas si c'en est une. Hein. Et on lui met des serpents sur lui. D'accord, on est où là? Pour moi, c'est un bassin oriental. Oui. Et c'est comme quelque chose, l'Arménie ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas l'Arménie, c'est.
En Orient, j'ai pas trop. En pas Orient. l'Égypte, c'est pas. Enfin voilà, c'est pas. C'est dans le bassin oriental. Ok, d'accord. On est à peu près à quelle époque là? Sans chercher la date précise, mais en gros. Je dirais que c'était peut-être il y a 300, 400 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il est dans cet état? Pourquoi est-ce qu'il a été mis les bras en croix comme ça et torturé? Qu'est-ce qui s'est passé? Reviens en arrière et regarde pourquoi il se retrouve dans cet état, dans cette situation. Il a été contre l'avis d'un hiérarchique. Il est considéré comme un félon par rapport au pouvoir en place, apparemment. D'accord. Il a D'accord. voulu donner son avis, il a voulu. Je ne sais pas de quoi il s'agit encore et si on le saura, mais il avait trouvé une solution à quelque chose et il a voulu partager cette connaissance. Et en fait, a priori, ça a été très mal pris. D'accord. Alors regarde de quoi il s'agissait alors. Regarde. Il a été, en fait, il y a quelqu'un en place qui était. Alors attends, c'était en charge. Alors je vois que, c'est, je vois comme s'il y avait, donc il y avait le haut de la hiérarchie. Donc, les, je sais pas comment on appelle Une ça là-bas. élite, on va dire, quelqu'un d'élite. Oui, d'un dirigeant, je pense, ou Un d'un territoire, en tout cas. haut fonctionnaire ou dirigeant. Je t'entends pas bien. Tu Un dis haut quoi? fonctionnaire ou un dirigeant. Oui, voilà, un dirigeant, et il a apparemment des conseillers selon les domaines, hein, je pense, de la construction ou des choses comme ça, ou du religieux, ou je ne sais pas. Et lui, il a voulu amener une solution. Ouais, je pense que c'est pour de la construction. Et en fait, celui qui était en place pour conseiller le dirigeant n'a pas supporté ça. Et c'est lui qui l'a fait enfermer. D'accord, ok. Donc là, il se retrouve, on retourne, on va au moment où il est les bras en croix, donc torturé. Donc on lui met des serpents sur lui, c'est ça? Oui, et il a la tête. Alors, je vois mieux. C'est pas réjouissant. Hein. Du coup, ses bras sont maintenus sur une poutre en bois. Il a la tête pas maintenue, donc plutôt dans le vide avec le haut du dos, enfin qui s'en maintient en dessous. Et enfin, il est dans une position impossible. Et on fait grimper dessus des animaux venimeux. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils vont du moins venimeux au plus venimeux. Et tout le monde connaît très bien ces animaux, donc il sait très bien ce qui l'attend. Et ça lui cause des douleurs et des frayeurs insupportables. D'accord. Ok. D'où les frayeurs aujourd'hui que tu as vues de la partie subliminale pour tout ce qui est piquant. Oui. Donc, je suppose qu'il finit par mourir dans cette situation. Oui, dans un état presque de folie, avant de mourir. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après quand il quitte son corps? Il est de vibrations tellement basses qu'il est très facilement récupérable par Ouais. ce serpent, cette interférence reptilienne d'un serpent. D'accord, donc là, il n'y a pas de consentement, il les récupère directement, c'est ça? Mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas de. De toute façon, il est tellement marqué qu'il s'éveille quelque part, il reprend conscience d'un lui-même. Il est déjà dans cet état où effrayé, tout rester dans. Ouais. Traumatisé. D'accord. Ouais. Ok, qu'est-ce que le serpent en fait après? Il l'emmène directement dans une prochaine incarnation ou pas?
A priori, il a dû jouer un peu avec, mais je ne sais pas de quelle manière il dit qu'il a joué. Là, tu vas regarder, parce que c'est peut-être important. Regarde de quelle manière il a joué avec. Il lui pose directement cet anneau et il commence à voir comment il peut lui faire faire des choses comme un pantin. Et il est comme... Là, au tout début, en fait, il est tellement sonné au sortir de ce corps que effectivement, il est complètement sonné. Et là, c'est même juste avec l'anneau, il arrive dans l'éther à lui faire faire un peu n'importe quoi, un peu comme une marionnette. D'accord, ok. Oui, il se joue. D'accord. Ouais. Bien. Alors, combien est-ce qu'elle a eu de combien a-t-elle eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Quarante-sept. 47 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, attends, pour l'instant, je ne comprends pas l'image, hein. Je ne peux pas te la traduire. Attends, faut que je dézoome, à mon avis. C'est un truc, ça doit être dans le... Ça doit être dans le monde microscopique. C'est un monde... Alors, j'essaye de te dire ce que je perçois et on voit ce qui vient. C'est comme si je voyais le cœur d'un végétal. Et quand je demande, l'information que j'ai, c'est que elle est une partie d'un pistil du végétal. Oui, d'accord. Et en fait, ça fait comme une plein plein de boules. Je connais pas le vocabulaire, mais c'est le mot qui me vient, c'est étamine. Et il y a des filaments qui descendent au cœur de la plante. Et en fait, elle est un de ces éléments-là. Elle est quoi? Elle est un filament, une étamine, un L'espèce pistil? de, Qu'est-ce qu'elle elle est? est le petit morceau de pistil et un filament. Et il y en a plein d'autres autour. Et ça forme un anneau végétal. D'accord, nous sommes où là? Sur une planète, une étoile, où est-ce que nous sommes? Ou C'est autre? une autre planète et apparemment c'est un peuple. Mais moi, D'accord. ma traduction, c'est la plante parce que ça ressemble à, pour moi, à du végétal, mais apparemment c'est un peuple. D'accord, ok. Et on est sur une planète dans notre univers ou un autre univers? J'ai autre univers. Notre univers, d'accord. Ok. Et donc elle fait partie donc d'une plante, c'est ça, d'une fleur. Bah, je le traduis comme ça, mais c'est un peuple qui est, ou alors ils vivent dans une fleur, ou je sais pas, et ouais, c'est ça, ils vivent dans leur C'est un. planète. C'est un peu comme imagine une fleur immense, mais vraiment immense, et ils ont tous leur rôle à être autour et à former un anneau dans cet endroit-là, dans ce lieu-là. Ah ouais, d'accord. Tu veux dire que chacun des membres du peuple est un élément de cette fleur, c'est ça en gros? Oui, Et on dirait, le ouais. tout constitue une fleur? Moi, ça me fait C'est ça? penser à une fleur, tu vois, c'est... Tu vois souvent des choses comme ça, toi, des choses microscopiques? Ah, mais c'est mon monde aussi, hein, je pense, hein, donc ça doit résonner avec moi. D'accord, oui. Bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette existence, elle se retrouve incarnée sur Terre alors? Pour moi, elle est disséminée. D'accord, de quelle manière? Je vois qu'il y a comme... C'est comme si ça arrivait à maturité et à un moment donné, ça éjecte des choses.
D'accord. Et elle en fait partie. Et donc, elle se dirige vers l'espace terrestre, c'est ça? Oui, elle se. Enfin, ça fait tout un voyage, une dérive. D'accord. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand elle arrive vers l'espace terrestre? Elle se dépose. Et alors, elle, je la vois plutôt se déposer en premier lieu sur la grille, sur la sphère qui est autour, qui protège la Terre. La sphère, la grille, tu parles de quoi? La C'est grille pas la magique. grille matricielle. La grille cristalline? Oui, c'est très. Oui, ça correspond. La grille cristalline? D'accord. Ouais. Alors, on est à une époque où la fausse grille n'est pas, n'existe pas. Ben, je la vois pas, ouais, non. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe une fois posée sur la grille cristalline alors? C'est comme si il y avait un moment d'attente, comme si je vois, il y a tout un temps où elle n'est pas la seule à se déposer. Il y a énormément d'éléments comme ça qui se déposent sur la grille cristalline. Ouais. Et quand tu avances vers la première manifestation sur Terre, nous sommes. Comment ça se passe? Ça me montre qu'il y a comme des rayons, est-ce que c'est de la lumière, qui viennent. C'est comme si ces informations à elle et aux autres étaient lues comme un disque. Comme, enfin, en tout cas, c'est l'utilisation, comme si ces informations à elle étaient lues et envoyées sur Terre à ce moment-là. Elles sont lues par qui? Pas que à elle, par lui, enfin, est-ce que c'est un mot humain, je ne sais pas. Ça, c'est comme si ça envoyait son information sur Terre, Ah, d'accord. et c'est un rayon de lumière, donc ça m'évoque les lasers ou les choses comme ça, tu sais, qui. D'accord. Et donc c'est avec ce rayon de lumière qu'elle se dépose en conscience dans l'espace terrestre Oui. qui contient les informations en fait de son essence Oui. et de la forme qu'elle veut incarner. La forme qu'elle veut incarner au départ. Bah, c'est une essence florale pour moi, et parce qu'il y a ce lien justement à la lumière. D'accord. Ok. Et alors, quel genre de fleur elle incarne à ce moment-là? C'est comme un bouquet, ça fait des bouquets de petites fleurs jaunes, c'est des fleurs un peu champêtres. Il y en a D'accord. énormément partout. C'est. On est en 3D là ou pas? Bah oui, là ça m'a l'air en 3D, ouais. Que D'accord. j'ai même l'ambiance, j'ai le. J'entends, je ressentirais presque. La petite brise, la façon dont elle reçoit la lumière, et surtout aussi sa perception de l'environnement. C'est comme si cette plante a la perception de tout l'environnement végétal autour. Ça foisonne, c'est extrêmement dense. D'accord. Alors, si tu avances jusqu'à la première incarnation humaine, elle a revêti combien de manifestations autres que humains? Elle est énormément. C'est-à-dire? Enfin, en tout cas, j'en ai, je sais pas, j'en ai au moins 360. Enfin, le chiffre qui vient, c'est 378. 300, c'est que floral ou il y a d'autres manifestations? Alors, attends, j'avance. Non, pour moi, elle a fait un peu de tout. D'accord. Alors un peu de tout. Animal également. Oui, elle est passée même par les insectes. D'accord. Et en tant qu'animal, qu'est-ce qu'elle a eu comme expérience? Ben, je vois un genre de triton, un genre de.
un animal qui passe de l'eau à la terre, elle en a eu fait plusieurs. Amphibien. Tout ce qui est amphibien, ouais. Oui. Et du petit mammifère. Ou un chevreuil. D'accord. Ok. Et la première incarnation humaine, donc, de quelle manière elle l'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je la vois une petite fille dans la campagne sur un tout petit peuple d'agriculteurs, enfin d'agriculteurs, ouais, de gens qui viennent. C'est un peuple qui vient juste de se sédentariser. D'accord, et c'est où là? On est où? Je vois le. Ça doit être des steppes. Ok. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas dans cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà. Si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, là, j'ai rien de plus. D'accord. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi si tout son ADN est issu de son essence et s'il n'a pas été trafiqué. Alors, du coup, je vois que c'est bien elle. Il n'a pas été trafiqué, mais je reviens sur ta question d'avant, excuse-moi. Je vois qu'elle a de moins en moins de perception de ses jambes, de tout ce qui se passe en dessous, en fait. En dessous des poumons, elle n'a plus ses limites de corps. Non, mais c'est vraiment à l'intérieur de ce sac-là, elle ne saurait pas redéfinir ses propres contours. D'accord. Okay. C'est comme un vide. Du coup, voilà. Et du coup, je me demandais si ça avait un impact par rapport à l'ADN, cette information. Alors, regarde déjà l'ADN, comment tu le vois? S'il y a une partie qui est endommagée. Quel pourcentage? Il y a 2% d'endommagés. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? Une perte sensitive. D'accord. Qui est-ce qui l'a endommagé? C'est le but de ce sac là en dessous de ce qu'elle a. En lien avec le sac, d'accord. Ouais. Ok. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle, au cours de cette session. Elle est effrayée, oui, elle voudrait. Oui. Alors, puisque nous avons son accord, en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu en premier? Il y a. Si je prends du moins important au plus important, ce qui se présente, c'est le. Je préfère que tu partes du plus important au moins important. D'accord, il y a. Attends. Le serpent. Ouais. Ça lui donne beaucoup de sensations au corps. Alors, donc, le serpent. Ensuite, il y a les trois démoniaques principaux, mais il y a un environnement de démoniaques, les opportunistes. Les opportunistes, oui. Et puis ensuite, il y a le parasite là, qui a été positionné. Parasite, ok, le cloporte. Oui. Ensuite. Ensuite, on revient au gestionnaire de la matrice. D'accord. Et jusqu'aux archontes. Ok. Donc, il n'y a pas d'autres parasites à part celui-là, à l'intérieur d'elle? Non. Très bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde, elles ont tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord,
tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repolitif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans tous les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Donc Agnès se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, prend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui elle est en essence au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Agnès à présent? Déjà, elle reprend des bouffées d'air. Des vrais, mais par contre, il y a encore des difficultés à ressentir, par exemple, son enveloppe complète. Non, on n'a pas terminé, Laurie. Donc là, pour l'instant, ça va mieux. C'est mieux. Alors, d'accord. Elle se sent un peu plus en sécurité. Oui, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, tu vas regarder comment réagissent ces entités. Elles ont énormément réagi. Même pendant que tu parlais, je les percevais. Oui. Alors, de quelle manière elles réagissent alors là? Surtout le serpent qui a réagi. Oui. Qui a cherché à laisser beaucoup de traces, beaucoup d'emprises, beaucoup de traces de contrôle à l'intérieur d'elle, comme des empreintes, comme des mémoires, des programmations, des choses comme ça. D'accord, très bien. Ok, alors déjà on va tout bloquer, on bloque tout le monde. 1, 2, 3, comme un arrêt sur image. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Donc on est bien d'accord qu'elles n'ont encore rien fait là. Là, non. Voilà. Maintenant tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, tu vérifies la bulle énergétique de Agnès. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des empreintes. Bien. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, c'est bon. Parfait. Alors maintenant, tu vas regarder si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver ou de la repérer. Oui, pour moi, il y a des traces qui restent sur certaines lignes de temps. Tu en comptes combien? Il y en a au moins 4 avec 3 dimensions à chaque fois. D'accord. Quand tu dis au moins 4, il y en a 4 ou il y en a au moins 4? Parce que je veux que tu les vois toutes. Hein. Il y en avait 4 plus fortement marquées, mais il y en a 6 en tout. Oui, il ne faut pas négliger. Donc, il y en a 6. OK. Donc, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Alors maintenant, vérifie si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver. Tu cherches même ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est dissimulé.
qui cherche toutes les astuces. Ben, il y a quand même encore la façon d'origine de la retrouver. C'est-à-dire Le moment du traumatisme. D'accord. Donc, tu veux dire que c'est le traumatisme qui lui sert de repère ou il y a autre chose? C'est que ce serpent, il est sur les lieux de, ah, sur les... les lieux de la torture. D'accord. Et du coup, je pense que quand il y a cette torture-là, il récupère automatiquement la personne. D'accord. Tu veux dire que les lieux sont imprégnés encore de l'essence de celle qui est Agnès devant nous aujourd'hui? Les lieux de la première vie où elle a été torturée. Oui, bon, on s'entend bien de ça. Eh bien, on va aller nettoyer ça. Allez, faire une bonne tornade et tu nettoies tout. C'est la première fois qu'on fait ça. Ah oui, ben, ça ne donne pas du tout la même chose. D'accord, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu reviens ici? C'est plus les mêmes tortures qui étaient qui sont faites dans la pièce. Attends, je nettoyais au point que. Ok, il ne reste plus rien. Il faut tout nettoyer de fond en comble et dans toutes les dimensions, toutes fréquences. Tu nettoies tout. Tu veux un coup de main? Je compte à trois. Vas-y, on le fait. Voilà, comme ça, ça se fait multidimensionnellement et d'une manière fractale. 1, 2, 3 et quantique. Ok. Ok, ça change pas mal de choses là, ouais. Voilà. Alors regarde maintenant, si ici et maintenant, il y a encore un moyen de la retrouver, de la repérer. Non, là, je vois plus rien. Eh ben voilà. Alors, on va regarder le sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Oui, il est sur le plan morantiel. Comment tu as son âme? Elle est encore un peu repliée sur elle-même. Inquiète. Ok, et sa partie subliminale? Confiante. Elle a repris en confiance. D'accord, bien. Le fait qu'on ait nettoyé là-bas, c'est ça? Oui. Ça l'a rassurée? Oui, elle voit qu'il y a du répondant. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois que ça a joué ici et maintenant déjà sur les traumatismes? Je ne sais pas quelle est ta question, je n'ai pas de réponse, j'ai l'impression que c'est qu'il n'y a rien. Mais repose-moi ta question différemment. Non, je voulais savoir si ici et maintenant, quand tu la regardes, le fait qu'on nettoyait l'origine de ces traumatismes, qui ont servi aussi d'accroche et de stimulation, est-ce que maintenant, tu vois encore des traumatismes liés à ces événements, ici et maintenant, dans ces parties? J'ai l'impression qu'il y a moins de réactions de peur. Et oui. Il y a juste encore des mémoires traumatiques de... Ça m'a montré des dents de serpent, donc il y a cette peur-là encore qui reste. D'accord, oui, on verra ça. Le venin de serpent. Ok. Bien, donc on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Agnès pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre et une harmonie parfaite. Une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions,
demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Agnès. Qu'elle puisse vivre toutes ses ressources en complétude, en plénitude. Ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de sa conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 78%. Il invite à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il se sent, c'est comme s'il était en permanence avec la sensation de tomber. Je vois un arbre qui tombe, mais comme s'il tombait en permanence. Comme s'il était une insécurité, c'est ça? Pardon? Comme dans un sentiment d'insécurité? Comme si on lui coupait les racines constamment, comme si constamment, tu sais, je vois ces arbres que les bûcherons, ils finissent de couper, hop, ils tombent. Mmh. Eh bien, il vit ça en constant, comme si on finissait de le couper constamment. D'accord, une scène qui se répète, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux êtres, aux âmes qui sont accrochées sous cet arbre? Ils se sentent en chute libre. Enfin, non, en chute libre. Non, c'est pas ça. Attends, j'essaye de trouver ce qui correspond. Ils ont une sensation d'instabilité et de devoir perpétuellement s'accrocher pour vivre, quoi. Tu vois, c'est pas simple. Il faut s'accrocher. Mmh. Alors, on risque tout le temps de glisser vers un mauvais truc. Comme s'il y avait des pièges un peu partout et on risque de glisser dedans. Donc avec un sentiment d'insécurité. Oui, de l'insécurité, oui. D'accord. Comment est-ce que tu vois que ça impacte donc Agnès particulièrement? Mais là encore, ça vient en parallèle avec ce que je voyais tout à l'heure, de ça lui coupe les pattes, ça. On ne peut pas avancer dans ces conditions-là. Elle est toujours à l'impression qu'elle est à deux doigts de lâcher prise, mais de lâcher prise, de laisser tomber, quoi. D'accord. Okay. De devoir s'accrocher tout le temps, donc c'est dur. Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Bien. Donc, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. On est à combien de générations en arrière, là? 57. 57 générations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme s'il y avait eu de l'information pour l'arbre de venir se positionner à un endroit qui est bien pour un arbre de son type. Et en fait, finalement, c'est un piège. Il est comme... Il est positionné dans, finalement, quelque chose qui va le faire basculer en permanence. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu peux trouver un moment et qui est derrière ça, en fait? Oui, les entités démoniaques. Ouais. Démoniaques, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là. Tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il choisit de monter en fréquence, ce qui fait qu'il se met complètement hors de portée de toute entité. Très bien. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source. Pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Ah, ça fait. Ça fluidifie l'énergie qui est à l'intérieur
Et ça le dynamise. C'est à présent beaucoup plus dynamique à l'intérieur et beaucoup plus stable. Il a repris toute une force. Il se montre beaucoup plus grand d'ailleurs maintenant. Ouais. Dis-moi comment ça impacte. J'ai actuellement et il fait 23 degrés. Les températures redescendront de 22 à 15 degrés cette nuit. Bon, ça sera tout. Ben, merci. Alors, dis-moi comment ça impacte donc Agnès. C'est comme si à présent, elle avait la perception de sa propre force et de sa grandeur qu'elle n'avait pas avant. Parce que à force d'être tassée, ben ouais, elle ne se sentait pas du tout, elle se sentait toute petite. Alors que là, elle va avoir un sens d'une armature interne, d'une force et d'une grandeur. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur et d'ouverture de conscience, et bien sûr des sentiments de force intérieure pour chacune des âmes de sa lignée? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Bien. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle veut en couper et réinformer une certaine partie, oui. C'est quel pourcentage de la certaine partie? 25%. Tu me dis quand c'est fait? Oui, c'est bon. Je suppose qu'elle a réinformé le reste? Oui, c'est fait. Bien. Alors à présent, on va regarder son ADN. Donc, puisque nous avons vu qu'il y a un pourcentage, je crois que c'est 2%, c'est ce qu'on a dit, hein, 2% donc, oui. Qui sont altérés. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois qu'on peut les éliminer d'un seul coup, là? Oui. Alors, on va les éliminer sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, tu n'en vois pas un arrière-plan, éventuellement? Non, là, il y a. Parfait. Donc déjà, elle va le remplacer avec sa propre essence. Oui. Voilà. À présent, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle veut le refaire, elle le refaire. Elle est très motivée à le refaire. Alors, on élimine dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y a 8, 6 de connectées activées. Alors, est-ce qu'elle peut connecter et activer les deux autres? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, oui, oui. Allons-y également, et quelle différence ça fera pour elle? C'est une programmation comme d'une force intérieure issue d'une volonté forte. Il y a comme quelque chose qui se dessine, qui se décide, et une sorte de force de caractère qui se renouvelle là, et qui devient très ancrée en elle. Affirmée. Oui, affirmé. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Donc, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle, tous les problèmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Vérifie en arrière-plan si tu en vois quelque chose encore. Non, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que tu vois des programmes spécifiques liés au manque? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. En vois-tu lié à la limitation? Oui. 1, 2, 3. Idem. Oui, c'est bon. En vois-tu d'autres liés à l'oubli?
Oui. 1, 2, 3, idem. Oui, c'est bon. En vois-tu d'autres liés à la peur? Oui. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres liés à aux capacités? Oui. 1, 2, 3. Oui. Et est-ce que tu en vois d'autres liés à l'estime personnelle, l'estime de soi et la valeur personnelle? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. De tous ces programmes, est-ce que tu en revois en arrière-plan? Non, c'est bon. Parfait. Donc, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste, juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 73%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Et dans tous les arrière-plans, les reflets miroirs, les lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, systèmes racinaires et périphériques. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseignement du temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Et je vais conseiller à Agnès d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Voilà, et j'invite toutes les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. C'est bon? Oui. Faut que tu répondes plus rapidement, Loris, si tu veux bien. D'accord. Non, mais je réponds rapidement, mais il y a des coupures, Pascal. Donc, D'accord, ok, bien. Parfait, mais pas toujours. Donc, en ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. Oui. À présent, nous allons éliminer toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. 1, 2, 3. Oui.
Nous allons effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elles quelque part. Non, c'est bon. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous abordons la partie psychologique. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de plaisir, d'abondance, etc. etc. » Oui. « En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. » Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui.
et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer donc les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseignement de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archaïques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est là, il est présent, il est. Il se remet en action. Il est en train d'installer la graine de vie et la fleur de vie. Tu me dis quand c'est fait? Oui, c'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ces phases. Oui. Un contre toutes les substances nocives à l'intérieur, sur et autour d'elles, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation
Oui. Et un contre les particuliers, quelles qu'en soient les versions. Oui. Et à ce propos, comme elle a reçu 2 doses, j'aimerais savoir quelle version elle a reçue et quelles ont été les conséquences. Il y a une version quasi vide, j'ai l'impression. Placebo, tu veux dire ? Placebo, oui. Et une version pleine. Une version pleine. Qu'est-ce que tu vois dans cette version pleine ? Est-ce que tu vois du graphène ? Oui. Est-ce que tu vois de la protéine spike ? Oui. Est-ce que tu vois de la nanotechnologie ? Oui. Très bien. Alors, est-ce que son élémental peut installer une programmation d'élimination du graphène ? Oui. Dans un premier temps, on va éliminer ce qui est possible d'éliminer comme ça. OK ? Oui. Donc, je compte à 3 et on élimine tout ce qui peut l'être immédiatement. 1, donc sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Tu vois qu'il en reste ? Il en reste un peu, oui. Alors, donc, on a vite son élémental à installer une programmation d'élimination par toutes les voies nécessaires. Oui, ça lui plaît beaucoup à cet élémental. Oui. Très bien. Au niveau de la protéine spike, on va brûler tout ce qu'il y a. D'accord ? On va joindre nos énergies, je vais compter à 3. On va créer une puissante décharge qui va tout griller. D'ailleurs, on peut griller en même temps tout ce qui est nanotechnologie. OK ? Oui. Allez, je compte à 3. Tu me dis quand tu es prête ? Je suis prête. 1, 2, 3. Oui. Voilà. La protéine spike, regarde s'il en reste encore quelque part de vivante. De vivante, non. D'accord. Au niveau de la nanotechnologie, est-ce que tu vois que tous les circuits sont grillés ou est-ce que tu vois qu'ils sont encore valides ? Non, c'est grillé. OK. Alors maintenant, on va demander à rajouter à sa programmation d'élimination donc la protéine spike et la nanotechnologie, en tout cas tout ce qui peut l'être. Oui, il avait déjà réagi. Oui. OK. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Alors, que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les... Oui. Tu m'entends ? Oui, oui, je t'ai répondu, mais je ne sais pas si tu m'as entendu. Il y a des coupures. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, non, il y a des coupures. Oui, il y a des coupures et une mauvaise connexion, mais ce n'est pas grave. Donc, installation de la flore de vie, graine de vie et double de muscat activée. Oui. Voilà. Et maintenant, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc maintenant, on va travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc tout d'abord, nous allons éliminer toute trace, mémoire, empreinte, etc. sur tous les plans de chacune des parties. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante et tourbillonnante, de haute fréquence sécurisée, bleue et dorée, qui vient englober tout son espace physique et énergétique.
Elle se place au centre et de là, elle déplace doucement son atlas. Ça le dégage. Et ça vient déployer une onde qui descend de haut en bas le long de la colonne vertébrale et qui relie entre elles chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chaque vertèbre entre elles et qui relie chaque vertèbre à son système, à ses systèmes et organes auxquels elles sont liées. Cette onde continue à sa descente, de plus en plus puissante, et arrivée au coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cette sphère à haute fréquence des amas denses et sombres, des mémoires concentrées, des traumatismes. C'est bon. Alors, elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. de chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Oui. Elle utilise une sorte de diapason multifréquentiel qu'elle actionne. Ça crée des résonances, des vibrations qui viennent réinformer, réinitialiser chacun des organes et systèmes jusqu'au cœur des cellules, tissus, tendons, jusqu'au cœur du système osseux. C'est toute sa physicalité. Les options au Mondial Tissu, rue Richard Lenoir à Angers. Cela vous paraît-il bien ? C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné. Fait. Je peux appeler ce lieu, ou bien vous obtenir un itinéraire. Dites-moi ce qui vous convient.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je te fais ouvrir les yeux et je te fais couper le son de ton téléphone. Si vous le souhaitez, je peux appeler ce lieu. Il y a vraiment un souci avec ce truc. Que voulez-vous que je fasse? C'est la première fois qu'il fait ça, ce truc. Du coup, on recommence, on reprend? Voilà. Donc, nous en étions à la micro-kiné. Elle actionne tous les points de correspondance et ça vient déployer en harmonie tous les corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter cette onde d'énergie toujours disponible à ses propres fréquences. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent les systèmes de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, sécurisée, activée. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscate activée. Oui, c'est bon. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? 8. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons à présent passer à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Vérifie les arrière-plans en cas où. Non, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on travaille sur les systèmes de vieillissement au sein de l'ADN, des cellules et de sa biologie. Pour ce faire, on va utiliser la loi de l'inversion pour faire des programmes donc de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà. Et pendant que son élémental travaille, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, avant d'entamer les points, on va regarder les systèmes, d'abord globalement et ensuite un par un. Donc globalement, comment tu vois tous ces systèmes? Il y a des mémoires traumatiques, des programmations de limitation, tout ça en beaucoup. Et puis oui. Des habitudes inadaptées de l'élémental du corps. Très bien, qu'est-ce que tu vois qui... Ah, ok. Donc on élimine tout ça comme précité. 1, 2, 3. Regarde les arrière-plans. C'est bon. Alors que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Veille aligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui.
On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, à présent, système endocrinien, hormonal, immunitaire. Qu'est-ce que tu vois à éliminer ? Il y a des programmations de limitation sur des mémoires traumatiques et du coup des habitudes inadaptées liées mentales du corps. Alors, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Donc, que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, on va regarder la glande pinéale avec la production de la valantonine, qui est cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. Ici et maintenant, j'aimerais que tu me dises à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite. Là, maintenant, elle est à 78. Bien. Avant la séance, elle était à combien ? 46. Ok. Donc, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, système neuronal, nerveux central, ORL visuel, respiratoire. Donc, que vois-tu à éliminer pour tous ? Pour moi, c'est vraiment des mémoires traumatiques qui sont là et de la programmation de limitation beaucoup et des habitudes inadaptées de l'élémental du corps. Très bien. Alors, on élimine tout. Donc, comme précité, 1, 2, 3. Oui. Vérifie juste les arrière-plans. Non, c'est bien, ça libère énormément. Là, oui. D'accord, ok. Donc, chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. Maintenant, on regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Oui, il y a un rééquilibrage à faire. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Voici des reconnexions à faire. Oui. Alors, on va toutes les faire en cascade, en une seule fois, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si on va en arrière-plan. Non, c'est bon. Parfait. Donc, système neuronal, globalement, vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Idem en cascade. 1, 2, 3. Oui. Toujours système neuronal, mais plus spécifiquement, les zones qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs. Est-ce que tu vois des reconnexions à faire ? Oui. Idem en cascade. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central. Oui. Idem. Idem. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire. Oui. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, regarde les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Qu'est-ce que tu vois à éliminer ? Des mémoires traumatiques, pas mal de limitations et des habitudes inadaptées les mentales du corps. Alors, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà, que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réenfermés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui.
On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer ? Il y a des résonances traumatiques, des programmations de limitation, avec des habitudes inadaptées et mentales du corps. Alors on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé, tout aussitôt l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va passer à ces points. Donc, ce qui affecte ses poumons, hein, qui est considéré comme une maladie rare, donc avec difficultés respiratoires, en même temps asthmatique. Donc, à part ce qu'il en serait, est-ce que tu vois d'autres causes ? Oui, il y a une autre cause. Laquelle ? Il en serrait, il y avait aussi quand même du venin qui était instillé par le haut. Je vois que ça tombe et ça vient comme déposer des choses au niveau des poumons. D'accord, très bien. Donc, à part le venin, il en reste quelque chose dans son corps là maintenant, dans tous ses corps ? Écoute, j'ai encore comme des réminiscences de fonctionnement, plus des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps, ouais. Programmation, si tu veux. Ouais. Ok. Donc, on va traiter toutes les parties qui sont concernées par cet enserrement-là. Et l'empoisonnement, oui. Évidemment. D'accord ? Alors, il y avait le sang aussi, oui. Ok. Le sang, tout ce qui est concerné. On est ok ? Oui. Alors, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Waouh, ouais, c'est bon. Là, on va quand même bien regarder les arrière-plans. On regarde en profondeur s'il ne reste vraiment rien. Non, là, il n'y a rien, c'est zen. Hein. Ouais. Ok. Alors que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Voilà. Comment tu vois son système respiratoire maintenant ? C'est décapé et c'est assez impressionnant. Je pense qu'elle va être assez impressionnée par cette libération. Ok. Alors, harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Ah oui, oui, c'est bon. Bien, allergie aux acariens. Regarde à quoi c'était dû, même si tu as vu des choses. Oui, c'était la même chose. En fait, c'était en résonance avec aussi le parasite qu'elle avait là, et c'était insupportable du coup. Alors, est-ce que tu vois qu'il reste des choses à éliminer maintenant pour toutes les parties concernées, y compris le système immunitaire ? Eh bien oui, comme quand même il y a encore des habitudes et des programmations là-dessus, de l'élémental du corps. Est-ce qu'on élémental a remarqué que la situation a changé ? Ah oui, ça a tellement changé, oui. D'accord. Alors on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte tout, reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait des ongles qui se fendent à la verticale ? Et c'est très douloureux pour elle. C'était en lien avec ce que
récupérait le parasite. Tu sais, je te disais que je ressentais qu'il récupérait des choses, comme des oligo-éléments, des trucs vitaux. Tu sais, je ne sais plus, je parlais de substances vitales. D'accord. Ça en faisait partie. Ouais. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant de tout ça? Au niveau des cheveux, ça devait faire quelque chose aussi. Oui, il y a quand même de la programmation de limitation encore sur le corps physique. Donc, oui, de la programmation des mentales. Ok. Donc, on élimine complicité. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Alors, on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Un apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, érotisé. Et puis, son élémental va installer une programmation de reminéralisation pour toutes les parties qu'il nécessite, comme ses ongles, ses cheveux, etc. Tout ce qui a été déminéralisé. Oui, il replace tout. On a un élémental très actif là quand même. Quand on parlait de ressources tout à l'heure, ouais, il me paraît très en place, oui. C'est bon. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Voilà. Donc au niveau des ongles, on peut y mettre du sel de souche d'ailleurs, éventuellement avec de l'eau primordiale pour favoriser la pousse. Et puis pour les cheveux, si c'est le cas, voilà, soyons fous. Oui, c'est même super, oui. Voilà. Donc tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises. Oui. Alors, douleur derrière le cou et la poitrine, regarde qu'est-ce qu'il y avait. C'était le fait, ça venait appuyer, et puis de toute façon, c'était tout déséquilibré, si tu veux. Donc, l'enserrement appuyait sur. Oui, en gros, c'est en résonance avec sa situation éthérique. Hein. D'accord, bon, Quand on qu'est-ce a que tu vois? quelque chose sur la tête et quelque chose qui en serre, on n'est vraiment pas bien sur la colonne, sur la nuque, sur tout ça. Hein, ça vient, ouais. Bon, qu'est-ce que tu vois qui est installé bien là? Oui, il peut y avoir encore ouais, des traces de limitation, je dirais. Ouais. Ça a bien travaillé déjà là, hein, dans ce qu'on a fait. Bon, on élimine complexité. Allez, 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà, et puis donc, on va inviter son élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses, enflammées, etc. Oui, ça ramène de la souplesse aussi à l'ensemble. Oui. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, c'est bon. Bien. Pour le coup, tu vois une intervention spécifique à faire ou c'est complet pour toi là? Cou et poitrine. Non, là, c'est bon, c'est souple. Je D'accord. ressens qu'il y a la souplesse qui revient. Non, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle n'avait plus de libido depuis une dizaine d'années? Elle avait plus de notion du bas du corps dans ce que je te disais finalement. Tu sais, dans ce sac-là. D'homme, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer maintenant pour qu'elle retrouve toutes ses sensations? Bah, c'est pas mal là, hein, avec ce qui a été fait. Apparemment, une programmation supplémentaire sur une vitalité sur tout ce qui est appareil génital, bas du A corps. rien à nettoyer. Ben non, parce que là, je vois que les mentales, si tu veux, elle a repris forme, elle a de nouvelles informations quand même. Là, Ok. j'ai plus à supplémenter, mais pas. D'accord. Alors, on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et rôtissé.
Oui. Et maintenant, elle va aller dans le passé, au moment où elle était pleinement en contact avec son plaisir, avec les sensations. Oui. Tu trouves un moment là ? Oui. Bien. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Ça va réinformer toutes ces parties d'elle, ça va réveiller tout ce que ça doit être. Tout va se... Toutes les parties d'elle vont se rappeler, y compris l'alimental, de toutes les sensations liées au plaisir, etc. Oui, il y avait toute une sensualité qui avait disparu avec voilà. Quand elle a perdu la notion de ses limites du corps. Voilà. Qu'elle cherche un des meilleurs moments qu'elle a vécu dans ce sens, ou même elle peut le trouver dans l'inconscient collectif pour trouver des informations les plus, on va dire, fonctionnelles et sensitives et sensuelles. Oui, c'est bon. Ouais. Bon, maintenant qu'elle a pris le temps de ressentir, l'apprécier, de savourer. Oui. Et elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui, c'est chouette. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle est bouillante la nuit ? C'était son sang, c'était le poison. Les éléments toxiques du venin. D'accord. Donc là, c'est tout éliminé. Est-ce que tu vois qu'au niveau de ce côté-là, c'est résolu ou tu vois une intervention spécifique à faire ? Et ben là, je vois qu'il y a encore des traces de programmation de. Parce que tu vois, quand on en parle, ça chauffe de mon côté. Ouais, ouais. Du coup, je pense que oui, il y a encore des programmations et des habitudes de l'élémental du corps. Tu vois où elles sont ces programmations ? Ben c'est surtout sur le milieu du corps et les mains, les avant-bras. Ok, donc on les élimine sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Donc là, on va réinformer. Reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Alors, les migraines ophtalmiques qu'elle constate lorsqu'elle met du parfum ou des crèmes. Est-ce que tu vois que c'est vraiment lié à ça ou tu vois d'autres causes ? C'est en résonance avec tout ce qui est extérieur. Elle ne peut plus supporter quoi que ce soit pour elle. Ça représente le venin, ça représente la toxicité. Voilà, son élémental du corps était vraiment en résonance avec ça. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à... Que reste-t-il à éliminer maintenant de tout ça ? Il y a encore des habitudes de fonctionnement, oui, de l'élémental du corps. Donc, c'était en lien aussi avec ce qu'elle avait autour du front. Oui et non, oui, oui. Mais surtout, là, cette idée de venin, ça résonne vraiment comme un venin pour elle, tout ce qui est substance extérieure. Ok. Donc, en ce qui concerne ce qu'elle avait autour du front, de la tête, est-ce qu'il y reste quelque chose ou pas ? Oui, il peut y avoir encore des petites dissociations de temps en temps qui restent une habitude aussi de fonctionnement. Tu sais, comme perdre le fil, comme quand tu regardes une série et puis d'un coup, tu te dis « mais je me suis endormie, mince, il doit y avoir un truc, j'ai perdu le fil ». Ça lui fait pareil. Quand elle dit qu'elle a perdu sa mémoire d'enfance, qu'elle ne sait plus où elle est de temps en temps, c'est ça ? C'est lié à ça ? Oui, alors j'ai surtout quand elle ne sait plus où elle est de temps en temps. Et pour la mémoire de l'enfance, j'ai l'impression que c'est légèrement différent. Ok, bon, on y verra après alors. Ouais, donc, ouais. On élimine déjà ça, une chose après l'autre.
Donc, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Excuse-moi. Oui. Il faut me repréciser ce qu'on élimine parce que du coup, je ne sais plus. C'est moi qui ne sais plus. D'accord. Donc, nous avons parlé donc, de ce qu'il y avait autour de la tête. Hein, d'accord. Et du oui. venin qui, ah oui. qui restait. Et du venin. Oui, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc, on était bien sur les migraines ophtalmiques. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, aussi. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Tu vois, c'est ça, et, le truc qu'il y avait autour. Là. Et la perte du sens de où elle se trouve. Oui, c'est ça. Voilà. OK ouais. On peut y aller maintenant. Oui. Alors, tu peux réénumérer ce qui a éliminé éventuellement dans ce qui est autour du front et du venin. Tu veux que je le redise, moi ? Éventuellement, si c'était utile, ou alors on élimine maintenant. Tu as besoin de réévoquer ou pas ? Ah non, là, tu viens de le faire et du coup, c'était bon. C'était bon. Ouais, OK. Vraiment. Alors, on élimine tout, surtout les plantes comme précité. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Ça vient vraiment calmer quelque chose aussi. Ouais. Regarde, au niveau des migraines ophtalmiques, est-ce que tu verrais des raisons pour que ça revienne ? Non, là, non. Parfait. Alors, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. Tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et érotiser tout ce qui doit l'être. Oui. En harmonie, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Regarde dans le futur si elle réagit pareil avec les parfums et les crèmes. Mais je vois qu'elle prend plaisir à les choisir avec soin. Pas qu'elle ne le faisait pas avec soin, mais qu'elle le faisait avec appréhension, je pense, ou quelque chose comme ça. Là, elle le fait avec plaisir et juste... ouais. Et il n'y a pas d'effet sur elle lorsqu'elle l'aimait ? Non, là, je n'ai pas. J'ai juste comme de la lumière qui vient. Ah, c'est bon. C'est ce que je voulais savoir. OK. Donc, son mari est sujet aux migraines, voilà. Donc, son mari et sa petite-fille vont être invités. Donc, ils pourront prendre connaissance de leur situation, faire le travail. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a plus de mémoire d'enfance et qu'elle perd sa mémoire ? Eh bien, quand tu me dis ça, ça me remontre, quand tu l'as évoqué tout à l'heure, et c'est... Comme le début, ça me remontre un peu comme cette idée que le serpent avait là, de trépanation. Et c'est comme s'il avait réussi à se mettre à la place d'une certaine partie de sa mémoire. Bien. Alors maintenant, est-ce qu'il reste quelque chose à éliminer de tout ça? Oui, j'ai l'impression qu'il y a des traces encore de ça, effectivement, oui. Alors, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Tu vois autre chose ? Non, ça fait comme un creux quand même. C'est pas encore plein. C'est pas. D'accord. Là, à ce stade, je ne saurais pas dire si elle va vraiment retrouver sa mémoire ou pas. Alors, déjà, dans un premier temps, on va reconnecter et réinformer ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et érotiser tout ce qui doit l'être. Oui. Et maintenant, elle va chercher dans son passé un moment ou une existence dans laquelle elle avait une excellente mémoire de son enfance et mémoire au quotidien. Oui. Voilà, elle va se reconnecter à ça. Ça va réinformer toutes ses parties. Oui, c'est en cours. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant ? De la complétude. Et elle réentend ses rires d'enfant et surtout des moments de complicité, elle choisit aussi. Oui, qu'elle choisisse bien tous les moments qui peuvent lui faire du bien, la ressourcer, la mettre dans une énergie haute. Oui, avec sa liberté d'enfant, tout ça. Oui, c'est ça.
Du rire, de la joie, de la légèreté, de l'insouciance. Oui. Alors, peut-être prendre le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, c'est bon. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement en toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui, ça la complète. Je ne sais pas pourquoi ça vient réinformer même les jambes, les pieds et tout ça. Oui, ah bon. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et oui, elle a retrouvé ses jambes d'enfant, etc. Tu vois, ça reconnecte oui, à tout. Ça reconnecte aussi à l'histoire et donc aux racines, tout ça. Ouais. La mobilité, la pétillance, tout ça. Hein? Oui. Bien, alors la joie de vivre. On est... Alors, autre point, psoriasis. Donc, elle ne l'a plus, mais qui est partie au décès de sa mère. Pourquoi est-ce que le psoriasis est parti au décès de sa mère? Est-ce qu'il y a un lien ou pas avec le décès de sa mère? Psoriasis, moi j'avais le parasite, mais pourquoi c'est parti au décès de sa mère? Attends, je cherche. Voilà. Est-ce qu'il y avait un lien quelconque avec sa mère, par exemple? Un lien émotionnel ou autre chose? Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est venu alléger quelque chose. Peut-être qu'il y avait une lourdeur dans la relation, quelque chose, et ça a libéré. Alors, j'ai l'impression que ça a libéré comme quelque chose qu'elle ne s'autorisait pas et qu'elle a pu s'autoriser à être après. D'accord, ok. Bien, ben voilà. Bien, alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à s'exprimer? C'était le cercle là. D'accord. Est-ce que tu vois que tout est régularisé maintenant par rapport à ça? Oui, et ça a été bien avec toutes les reconnexions qui ont été faites et vraiment cette nouvelle programmation de vie d'accéder à toutes ces ressources. Ouais. Regarde au niveau des connexions spécifiques liées à la communication, à l'expression. En lien avec le chakra laryngé également. Regarde s'il y a encore quelque chose à affiner là, ou des reconnexions ou autres, spécifiques. Je vois qu'il y a quelque chose, en tout cas maintenant, qui pulse. C'est comme en vie, tu vois, ça pulse. Il y a vraiment comme des pulsations cardiaques, des pulsions de vie en lien avec ces régions-là. D'accord, donc il n'y a plus rien à faire donc. Il peut y avoir des croyances personnelles dans le physique. Elle va travailler sur ses croyances. Maintenant, elle va se programmer. Elle va se dire maintenant, je m'exprime merveilleusement bien. Toutes les idées me viennent au moment où il le faut et je me sens sûre de moi. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que maintenant, c'est différent parce que toutes ses pensées vont être beaucoup plus claires. Ben oui. Ça va, même pour elle, des fois, elle va se dire ah, ben oui, c'est vrai, c'est ça. Et juste en se concentrant sur ce qu'elle est en train de penser. Sur le sujet, en fait, ça va se dérouler devant elle, et du coup... Bien. Ok, alors autre point, donc tout ce qu'elle entreprend tombe à l'eau, elle a du mal à faire rentrer de l'argent, la relation à l'argent est un peu compliquée. Regarde à quoi c'était dû. Cette impuissance, elle n'était pas complète, elle n'était pas entière, et elle avait des programmations de limitation de partout. Hein. Bon, il y a encore quelque chose ou pas dans ce sens? Non, je ne vois pas. Alors, elle va s'installer une programmation selon laquelle, donc, qu'elle mérite le meilleur, que tout lui vient facilement, agréablement, joyeusement, qu'elle a des capacités illimitées et maintenant elle ouvre toutes les portes et que tout lui est possible, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, et tout à l'heure, elle avait déjà amené l'abondance quand tu l'avais évoqué, elle l'avait gardée en elle. Oui, c'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc avant, elle dessinait beaucoup, maintenant elle ne dessine plus. Bon, bah, vu les conditions, on comprend pourquoi. Est-ce que tu vois que tout ça s'est rétabli maintenant avec ce qu'on a fait?
Elle est complète et ça va faire justement lien avec tes pensées d'enfant. Donc oui, cette créativité, ce... Oui. Parfait. Et dernier point, donc, au niveau d'un emprunt qu'elle aimerait faire, qu'elle n'arrive pas à avoir, est-ce que tu vois que maintenant tout est débloqué avec ce qui vient d'être installé? Elle a toutes les conditions réunies, en tout cas pour l'avoir, pour le faire. Voilà. Donc, il ne manque plus que sa conviction et sa décision. C'est ça? Oui, je vois que ça ouvre vraiment un chemin. Ça ouvre un chemin plus large. Il y a beaucoup plus de possibilités. Alors maintenant, tu vas regarder son corps. Donc, je vais te faire revenir sur l'ancienne ligne de temps pour voir son corps mental. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Ah oui, voilà. Il y a énormément de programmation de limitation. C'est comme un enchevêtrement. Ça fait comme une boule de laine, mais en nœud, quoi. C'est... Oui. Une pelote de laine, quoi. Ouais. Bien penché. Oui. Quelles sont les croyances qui en découlaient de toutes ces programmations? Croyances limitantes, bien sûr. Il y avait comme quelque chose de rétréci dans sa vie et qu'elle n'avait pas le choix, c'était comme ça. De toute façon, des croyances sur elle de limitation, je ne sais pas si elle se mettait beaucoup en valeur avec elle-même sur son amour d'elle-même. C'était se battre avec qui elle était un peu. Je fais de mon mieux, mais je ne peux pas grand-chose. Ok. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'en pense à présent, avec tout ce qu'elles ont entendu, compris et intégré, toutes ces parties? Elles sont hyper vives, hyper joyeuses. Je ne sais pas, ça danse le flamenco un peu, tu vois, cette énergie-là. Et ça, enfin, c'est comme il y a une énergie de rire maintenant à regarder ça en disant « mais c'est plus du tout la même chose maintenant ». Bon, vérifie s'il reste quelque chose à éliminer quand même encore de cette ancienne situation. Oui, il va y avoir dans l'entre-deux des habitudes de fonctionnement. Que ça? Oui, c'est des restes de programmation, des habitudes de fonctionnement. Oui. D'accord, alors on élimine complexité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc maintenant, tu vas regarder son corps émotionnel, toujours sur l'ancienne ligne de temps, hein, pour voir tous les sentiments et les émotions qui étaient liés à cette ancienne situation. Je la vois un peu comme si elle se fait tellement de soucis que, tu sais, quand on dit, elle s'arrache les cheveux pour, quand on dit cette expression, pour essayer de trouver des solutions. Pour suppléer, pour être... Et du coup, émotionnellement, c'est comme si tout est toujours compliqué. Il y a ça, ce truc d'être soit trop petit, soit prendre trop de place, soit pas trouver sa place, pas être à sa place. C'est vraiment des histoires aussi comme ça. Quelle émotion ça les fait ressentir? Il y a une amertume, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a beaucoup de tristesse quand même, de fond. Ouais. Très bien. Et donc du coup, par rapport à son image personnelle? Oui, c'est très dégradé, elle ne se met pas en valeur, elle se sent à la fois toute petite, enfin vraiment, oui, c'est ça. Ça ramène toujours à cette histoire de place, si tu veux. Bien. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Il y a le rejet, pas mal, il y a beaucoup le rejet. C'est le rejet à la fois d'elle-même, et le rejet de tout ce qui n'est pas elle. Et d'ailleurs, son corps était beaucoup dans le rejet aussi. Il y a l'abandon.
se sentir abandonné, seul, à devoir se dépatouiller. Et la trahison, le fait de ne pas être sûr de toutes les personnes qui gravitent autour, mais c'était les vibrations aussi qu'elle avait au niveau éthérique qui étaient reflétées comme ça. Voilà. Quelles sont les stratégies qu'elle met en place pour continuer à survivre ? Je vois qu'il y a des moments où elle essaye de s'isoler et de prendre peu de place. Il y a encore cette histoire de place, de prendre peu de place, donc un peu dans sa bulle, un peu de se... Et puis il y a des fois cette façon d'essayer d'être partout à la fois, et finalement elle a la sensation de ne pas trop y arriver non plus et de ne pas non plus être à sa place. Et il y avait la difficulté de trouver une espèce de juste milieu à ses yeux dans ce qu'elle ressentait dans son milieu, apparemment. Bien. Alors, je rappelle qu'il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça maintenant ? Il y a encore des habitudes de fonctionnement avec des réflexes de pensée. Ok, donc on les élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne la personnalité, donc, eh bien, tu as toutes les informations pour créer les changements, changer aussi des croyances, un mode de pensée, des comportements, etc. Voilà. Et bien sûr, tout ça dans la tranquillité, sans se mettre la pression, hein, avec le rythme nécessaire. Alors maintenant, toujours en conscience de sa connexion avec la source, dans son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, en activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur se rit autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Agnès à présent ? Elle est redéfinie, elle est... plus légère, plus à la fois plus légère et plus forte, plus ses contours sont redéfinis. Elle a un nouveau regard. Elle est complète, elle est proportionnée. Elle se sent centrée et à sa place. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir ? Du plaisir à être, ouais. À être avec elle-même aussi, en plénitude. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle s'installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie. Chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, matérielle, amoureuse, financière, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons partir de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions ? Là maintenant, elle ne veut plus jamais être séparée d'elle-même. Elle veut être... complète, entière et proportionnée, comme elle dit, pour toujours. Elle n'oubliera plus jamais qui elle est dans sa lumière divine, dans sa beauté intérieure, dans son essence multidimensionnelle. Et ce, dans toutes les, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ses incarnations, quelles que soient les dimensions, quels que soient l'espace et le temps, elle s'oubliera plus. Yeah. Donc, c'est la clé pour tout le monde, je le rappelle. Que ressent-elle à maintenant au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités, voire même de cette existence en tant qu'Agnès ?
Je vois qu'il y a vraiment une joie, il y a comme une envie de danser, il y a ce nouveau ressenti dans les jambes avec cette légèreté, cette joie, cette envie d'être juste elle et de s'aimer et de juste profiter de la vie. Et vraiment, il y a une histoire de rythme qui est là maintenant. Alors, qu'elle permet de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Absolument, oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment la vois-tu ? Elle est présente, elle est bien, elle est sereine. Bien, alors c'est le moment des invitations. Donc, à nommer son mari avec sa famille, son fils avec sa famille également, ses frères et sœurs avec leurs familles respectives, la famille en général, les amis de cœur, tous ceux à qui elle pense si d'aventure elle en aurait oublié, et on va dire tous les animaux de la famille, à commencer par le lapin. Oui. Il sera invité pour la douche finale. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective, sur tous les plans, et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter ? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce ? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. Et bien sûr, dans toutes les dimensions multidimensionnelles, quantiques et fractales. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, sur tous les plans, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans une bulle cristique de protection, secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Agnès pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, donc à laquelle, je rappelle, sont invités tous les animaux. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Voilà. Je vais demander au passage à Agnès d'arrêter de bouger son téléphone, parce que pour moi, c'est déstabilisant. Il ne faut plus que ça bouge. Tu le fixes, tu ne le bouges plus. Parce que depuis tout à l'heure, tu te balades. D'accord ? Merci. Donc maintenant, ça va être le tour des désincarnés. Nickel.
Donc, elle a nommé celle qui a été sa maman. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Sa maman... Il y a une... Bon, elle est pas super bien. Elle est plan astral moyen-bas. On dirait qu'elle essaye de se débarrasser d'un truc dont elle a pris conscience, mais elle n'y arrive pas. D'accord. Bon. Identifie-la déjà. Regarde ton ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Elle dit qu'elle sait et que oui, elle demande de l'aide. Alors, nous la connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle est remontée, elle est montée très vite et très haut. Oui. Elle est là. Bien. Libérée? Oui, libérée. Oui. Alors, demandez ce qu'elle veut faire maintenant. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? La liberté et le plaisir avant tout. Oui, elle continue son chemin. Alors, dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui. Et avant de continuer son chemin, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre, en 3D? Oui. Il y a chez sa maman, en tout cas, je dois le dire, il y a une énergie particulière. Je ne sais pas si elle avait des dons ou quelque chose, mais il y a une aura particulière, il y a quelque chose de spécial qu'elle devait avoir. Alors, qu'est-ce que... Elle veut s'exprimer, dire quelque chose à sa fille? Oui, elle... Elle s'exprime beaucoup là par image et du coup, j'essaie de traduire. Elle envoie des ondes, mais c'est des ondes, on dirait, d'aura. Comme si elle... Ouais, elle lui souhaite, ça y est, je sais, désolée. Elle lui souhaite de développer son aura parce qu'elle voit là, les changements qui ont lieu en elle. Et elle lui souhaite vraiment d'assumer son aura et de... d'assumer pleinement qui elle est, avec joie, qu'elle le mérite, que tout le monde le mérite. Alors, de l'amour. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. La laisse pas partir. Bon, demande-lui si elle veut bien envoyer dans la lignée maternelle et paternelle de Agnès des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui. C'est fait. Allons-y. C'est bon? Eh bien, on peut la remercier. Là, c'est lui. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa nièce. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Donc, une des filles de sa sœur. Elle se montre en tenue blanche avec des ailes. Pas ultra lumineux, mais comme un enfant, tu sais, un enfant qui aurait revêtu une petite tenue un peu comme de l'innocence. Ouais, c'est ce que je peux te dire d'elle. Elle est sur quel plan, là? Un astral moyen-bas. Regarde son essence, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. D'accord. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions
bien sûr, qui nous envoie et demande lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à présent? Elle se libère de cette tenue qui était très, très lourde pour elle, en fait. Elle monte en fréquence, elle se libère, elle s'allège. Elle grandit aussi. C'est bon, elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle veut retourner à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Agnès et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Elle envoie énormément d'amour à la famille. Elle a retrouvé sa légèreté maintenant. Ça fait beaucoup de bien. Elle remercie Agnès. Elle lui envoie vraiment des ondes du cœur. C'est très joli. Est-ce que c'est bon? Elle envoie beaucoup d'amour à tout le monde. Oui, c'est bon. Bien, et bien on va pouvoir la saluer. Oui. Regarde si elle, est bien sortie de la matrice. Oui, je les vois quand ils sortent, en fait. Ils deviennent juste comme un trait de lumière qui s'en va. Ouais. Bien, on revient à Agnès. Oui. Alors, regarde s'il y a des liens toxiques. Hein. Oui. Donc, elle va tous les couper à la fois donc, et dissoudre les racines sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes les lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Jette un œil pour voir si on reste en arrière-plan. Non, il n'y a pas. Bien, maintenant, elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve là aussi que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'omiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro. Qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère
de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace potentiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de muscate activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, sans oublier ses ongles et ses cheveux. Oui. Il le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y a 9 hélices. 7 sont connectées et activées. Est-ce qu'elle peut connecter et activer les deux autres? Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui, ce sont des programmes de calme et de douceur, de sérénité, d'amour d'elle-même. Et il y a quelque chose avec le... Mince, attends, j'ai pas le mot. Je ressens ce que c'est, mais tu sais, quand tu goûtes les plats ou la vie avec vraiment une certaine délectation, oui. Il y a un mot pour ça, mais voilà, c'est ça, c'est ça qui est avec. D'accord, ok. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Dans 10 à 14 mois. 10 et 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Une nouvelle façon de ressentir son corps qui va arriver assez vite. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 10 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Oui, on retrouve le fait qu'il y a les repères, les anciens repères qui ont disparu, les nouveaux qui ne sont pas encore complètement ancrés dans la réalité. Et du coup, ça offre un espace où le mental écho va se sentir parfois en insécurité. Et il va aller chercher dans le passé des éléments connus pour les ramener au connu. C'est ça. Alors, il suffira bien sûr à Agnès de se souvenir de ce qui vient d'être dit, dans ces moments où il lui semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est ce qui se passe, et en restant confiante et optimiste, elle soutiendra toutes ces parties qui feront leur travail, et plus courte pourra être la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Restez confiante et ne pas douter. Et pour soutenir toutes les parties de Agnès, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle me montre que... je sais pas, c'est important. Elle marche pieds nus, elle prend plaisir à tous ses sens. Oui, c'est ça. Tous ses sens deviennent très affûtés et très agréables pour elle. Et elle regarde le monde qui bouge autour d'elle avec un nouvel œil. Elle n'est plus atteinte de la même manière par tout ce qui se passe, notamment peut-être la famille, où elle leur prodigue leur amour, mais
Elle se sent à sa juste place et elle se nourrit elle-même d'elle-même aussi. Et ça crée une harmonie quand même dans sa vie à elle. Voilà. Et ça lui fait ressentir quoi ? Du plaisir, mais énormément de plaisir, la jouissance du plaisir dans tous les sens du terme. Ouais. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer et de le déguster. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, des nouvelles sensations et même des habitudes qu'elle peut créer et ressentir, programmer dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Alors, à savoir que son domicile, c'est une roulotte. Il y a aussi un chalet et un hangar. Donc, pour le chalet et le hangar, on va inviter sa partie subliminale à faire le même travail. Nous, on s'occupe de la roulotte. Elle est OK avec ça ? Oui. Bien. Donc, comment vois-tu sa roulotte ? Non, l'énergie n'est pas. Il y a une énergie qui a évolué dans la roulotte. Et c'est comme si l'énergie était devenue de plus en plus petite, comme si ça restreignait trop cet espace. D'accord. C'était dû à quoi ? À son ancien état, ses anciennes vibrations. Ok. Regardez ce sol, dis-moi si tu vois des désordres géologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Puisque la roulotte, elle ne roule pas, elle ne se déplace pas. Pour moi, le terrain, il est comme neutre, si tu veux. Il n'est pas. D'accord. Rien à signaler. Oui, il est neutre. Il est plutôt neutre. Ouais. Bien. Il n'est pas folichon, mais il est neutre. Tu vois, on a vu quelquefois des terrains qui étaient propices à quelque chose. Là, il est juste comme neutre. Ok. Regarde pour le chalet, dans les sous-sols, si tu vois qu'il y a des désordres. Pourtant, c'est pas loin. Ouais, il y a quelque chose de plus sombre en dessous. Ouais. Qu'est-ce que tu vois ? Ça doit être un désordre éthérique parce que ça me montre comme si c'était un miroir en dessous, mais un miroir sombre. Comme s'il y avait l'image du chalet en dessous du chalet, mais en version sombre. Et qu'est-ce qu'il fait là, ce miroir ? Qui est-ce qui l'a installé ? Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a installé ça, justement, effectivement. D'accord. Ok. Donc, ben, elle va faire une puissante tornade, elle va détruire le miroir. Allez, je compte à 3. 1, 2, 3. Oui, c'est bon, ça allège et ça, l'énergie recircule maintenant en dessous. Ouais. Voilà, donc sa partie subliminale fera le reste du travail. Regarde pour le hangar. Est-ce que tu vois les sous-sols ? Comment tu les vois ? Au neutre. Neutre, d'accord. Donc, sa partie subliminale fait le reste du travail. Donc, pour la roulotte, elle fait une puissante tornade, il y a nettoie tout partout. Voilà. Tout ce qui est aussi les objets, le mobilier, enfin tout ce qui est dans la roulotte et autour, y compris le terrain, elle fait une puissante tornade. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double domiciliate activé et sécurisé. Oui. Sur le compteur électrique qui est à Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle a fait un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double domiciliate activée et sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisant, avec une respiration ample, profonde et aisée,
avec un son et un parfum qui se module et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classique de protection. Elle également, les autres occupants également, y compris, bon, on va dire, le lapin. Oui. Et puis tous les animaux, s'il le veut, là où ils sont, hein. Bien sûr. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Voler le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de météorisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser, comme par exemple son emprunt, etc. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double d'hibiscate activée. Oui. Autour le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective. Et tu sécurises. Oui. Maintenant, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Maintenant, elle s'installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, la situation et son état, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. À présent, toutes les connexions sont faites, des connexions fortes, sécurisées, vraiment puissantes. Et c'est ainsi que tous ces corps sont connectés les uns aux autres. Quels sont les conseils qu'il peut donner à sa partie physique qui l'écoute? C'est bien la partie physique qui doit garder cette connexion forte et sécurisée par son intention ferme, une vraie volonté de garder cette connexion et une vraie confiance dans cette connexion. Alors, il suffira à Agnès de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Donc maintenant, comment est-ce que tu vois son âme? Elle est légère, elle est tranquille, elle est apaisée. Et sa partie subliminale? Vraiment, elle a une énergie, elle a un dynamisme, elle est tellement chouette, elle est tellement contente de ressentir tout ce qu'elle est, qu'elle bouge beaucoup, un peu voilà, du rythme et de la danse, j'ai l'impression, ou des choses comme ça. Ouais. Bien, alors ça va être la fin de la séance, nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Agnès, en ce jour de renaissance pour elle. Ouais. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence composés de sons, lumière, couleurs, rayons, énergie, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hibiscate activée.
Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particule de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Agnès avant la séance et quelle est-elle à présent? Elle était à 58, elle est à 173. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Voilà. Comment ça va, Laurie? Oui, très bien. Bon. Alors, à nous, Agnès, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. C'est bon, on t'écoute. Voilà. Excusez-moi, je bougeais avec la... Ah ben, c'était merveilleux. C'était beau. C'était émouvant. Ça m'a... On ne croit pas comme ça quand on ne passe pas. Mais quand on y passe soi-même, c'est différent. C'est beau. Et j'ai ressenti des choses... Tout me parlait ce qu'elle disait, Laurie. Ouais. J'ai pas compris ce que tu as dit là. Tu as dit quoi? Je ressentais tout ce qu'a dit Laurie, je le ressentais. D'accord. Ok. Bon. Et comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Bon, en tout cas, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations. Hein. Oui. Les compréhensions vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Et bien sûr, lorsque tu en auras besoin, dans les moments de métabolisation, n'oublie pas de refaire ta séance entièrement, du début jusqu'à la fin, sachant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là. On est d'accord, hein? Voilà. Et donc, merci. Ça stimulera les énergies et ça remettra en place ce que ça doit être. D'accord? Et tu as compris que tout va dépendre de toi maintenant. Tout va dépendre de ce que tu vas en faire. Donc, pas te laisser déstabiliser ou autre. Hein. Pas de doute, pas de peur ou autre. Ok? Oui. Voilà, merci donc, beaucoup pour votre travail, c'est vraiment. Merci. Donc, merci à toi, merci à Laurie, et puis on va te souhaiter une bonne métabolisation. Hein. Et puis j'espère que j'aurai des nouvelles de toi par mail. Oui. Tu me diras comment les choses se passent pour toi. Oui. D'accord. Et donc, ta vidéo, on la publie? Oui, mais floutée. En floutée. D'accord, ok. Alors, bah, écoute, prends soin de toi, on attend tes nouvelles, et puis merci à toi. Merci Pascal, voilà. Merci Laurie. Merci, au revoir Agnès. Au revoir.